Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 11 de notre carrière suivie sur Belgique profonde. Donc ça y est, ça a poussé, vous pouvez voir. Bon, moi j'ai d'autres textures, hein, c'est pour ça que c'est plus joli quoi. Donc nous avons le colza qui est quasiment prêt, le maïs qui est prêt. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont prêtes. Donc on va attaquer la récolte de tout ça. Je veux juste attendre que ça finisse de pousser. On ralentira le temps et comme ça, on pourra commencer. Donc vous avez vu les amis, j'ai changé cette moissonneuse. J'ai pris la Lexion 580 avec 6,60 m de coupe. Et j'ai acheté les ustensiles pour les betteraves. Et vous pouvez même voir qu'il me reste 150 € sur mon compte. Donc ça craint royalement. Mais bon, c'est pas grave, on va baisser le temps. Voilà, sauvegarde un petit coup. Et c'est parti les amis, on va démarrer notre lection. Et on va commencer la récolte. Ah oui, il faut attendre que madame est prête. Allez, c'est parti les amis. Donc notre récolte de colza, on est en cours. Et notre récolte de betterave va commencer, hein. Donc c'est la parcelle là qui a été partiellement traitée, hein. Les amis, donc ça va être pas mal. Donc moi je vais pas me faire chier, je vais faire le tour par là-bas. Et ensuite je vais engager un travailleur et comme ça on pourra attaquer tout simplement notre récolte de betterave. Donc les récoltes de betteraves, on va pas tout vendre, hein. On va vendre peut-être, on va voir ce que ça nous donne. Et en fonction de ce que ça nous donne, si j'arrive à avoir deux bennes sur cette parcelle, il y aura une benne pour le silo, donc pour la vente, et une benne pour nous, pour nos animaux. Donc maintenant, l'objectif principal maintenant, c'est de... Parce que j'ai remarqué qu'on a quelques parcelles d'herbe en fait, que vous pouvez voir, enfin non, là ici vous voyez pas trop. Donc j'ai décidé qu'avec l'argent qu'on va réussir à avoir, je vais acheter une faucheuse et une autochargeuse pour pouvoir récupérer la paille et pouvoir récupérer du foin. Donc on va s'y mettre pour nos animaux, les amis. Comme ça, on sera tranquille. Je suis quel level 2? Ouais, c'est bon. Donc on est... Oula, faut peut-être pas que j'en oublie. Je suis à 10 à l'heure avec notre lection. Et là, ça a été... Il y a encore de l'engrais. C'était la parcelle de maïs que j'ai labourée, hein. Parce que franchement dit, j'en avais plus que marre de ce putain de maïs. Donc j'avais volontairement décidé de le labourer. Et puis parce que je voulais vous montrer le labour avec notre tracteur. Notre 7215R. C'était juste génial, moi je trouvais. Donc on est parti. Pour les récoltes, ça ira plus vite. La machine ne bug pas. Enfin, c'est juste génial. Donc je suis très très content de faire ces vidéos avec vous les amis. Donc vous avez pu voir, hein, j'ai publié ma première, enfin ma première, le premier épisode de ma carrière secondaire, on va dire. Je suis content de l'avoir fait. Enfin, parce que j'en ai parlé, mais maintenant c'est bon, c'est fait les amis. Est-ce que tu crois que t'arriveras à te démerder toi? Ouais, allez, il va se démerder. C'est parti. Donc, madame, elle est pleine. Donc je vais en profiter. Non, c'était pas ça. On va aller la vider. Et puis ensuite, on va aller effeuiller nos betteraves. Donc on a la récolte de colza, de maïs, de betteraves, de blé. Enfin, on est tranquille les amis, hein. On a de quoi faire, on va dire. Donc maintenant, on est parti, on va vider. Et je suis bientôt en solde négatif. Putain. Et quoi ce bordel? Mais avec une benne de colza, ça ira déjà mieux parce que là on a déjà 10 tonnes 5 dedans, donc c'est bien. Donc j'ai encore 4 dans 3 vidéos de la carrière suivie à publier avant d'arriver à celui-là. Donc c'est pour vous dire que j'ai de l'avance, mais c'est bien. Comme ça, je suis tranquille. Comme le boulot va reprendre, j'aurai pas forcément le temps de filmer. Donc là, j'ai juste besoin de publier, donc c'est juste génial. Il y a une petite présentation de mode qu'il faut que je transforme encore, qui va arriver. Voilà, elle est pleine. Donc on va laisser la benne ici. Et on va aller s'occuper de nos betteraves. Voilà. C'est parti les amis, on démarre.
le John Deere. On active les feuilleuses. Elle est en bas. Régulateur de vitesse. Et c'est parti les amis. Donc moi je trouve qu'avec ces textures là, je trouve que c'est ça fait plus réaliste en fait. Après je sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi c'est vraiment ce que je trouve hein. Parce que quand là on est feuille, c'est pas un tapis vert, c'est pas comme si c'était du gazon on va dire. C'est vraiment on voit vraiment nos betteraves au sol. Je trouve que c'est plus réaliste et au moins on galérera moins pour les ramasser, on les verra mieux. Donc il y a eu quelques petits loupés de semis, mais bon c'est pas grave hein. C'est comme ça, on fera mieux la prochaine fois. Des fois la machine elle récolte pas bien là. Enfin elle effeuille pas bien plutôt, parce qu'elle ne récolte pas, elle effeuille. Et ces putains de masses là, il faut que je pense à les virer. Voilà, donc on est parti, on effeuille. On va faire ça comme ça. Vous voyez, des fois elle a un petit temps de... Elle a un petit temps la machine, je sais pas pourquoi. Ou elle bug, mais c'est pas grave hein. On va faire avec. On va effeuiller nos betteraves et on va commencer les récoltes. Donc on a quand même bien avancé les amis hein. Donc ça veut dire, comme dit, maintenant on va acheter du matériel pour les animaux hein. Donc les betteraves je les fais pour les animaux. Ensuite je suis dégoûté, il y avait une enchère sur un champ en fait, et vu que j'étais dans le négatif, j'ai pas pu l'acheter. Donc c'était vraiment vraiment les boules, parce que c'était le champ numéro 38. Au lieu de 45 000 euros, il est parti pour 27 000. Mais j'avais pas les sous. Donc bon, c'est pas grave. Hein. Il y aura encore des enchères, je l'espère. Donc maintenant, on est parti. On est feuille. Je vais juste lancer mon chronomètre sur le téléphone, parce que j'ai de nouveau oublié, les amis. Mais c'est pas grave. Hein. Allez, on y va. Est-ce que ça va les feuiller? Ouais, c'est bon. Donc maintenant, je vais aller... Je vais tricher un petit peu, parce que de toute façon, tout doit être effeuillé. On va pas revenir à vide, hein, les amis. Si déjà, on revient à plein. Et puis, voilà. Donc, hop, là, c'est bon. On est pas mal. Là, on va en choper aussi. Voilà. Donc vous voyez, les feuillages, c'est quand même quelque chose qui va vite. Hein. Vous pouvez rouler quand même à 20 à l'heure. Ça fait rien. Vous pouvez rouler à 20 à l'heure. La parcelle n'est pas non plus extrêmement grande. Donc vous voyez, juste ici, j'ai semé du blé. Donc il y aura une autre rotation hein, pour les prochains semis, bien sûr. Hein. Donc moi, j'avais pensé comme rotation, en face où j'ai le maïs, on mettra les betteraves. Ici, on mettra du blé. Là où il y a le blé, on mettra du colza les amis. Et là j'ai encore une parcelle de blé, une parcelle de maïs. On mettra du colza à la place. Comme ça on aura une rotation qui tiendra à peu près la route. Et puis c'est quand même toujours un peu plus réel de faire comme ça. Même si je fais du semi-direct, il y en a qui disent que c'est pas réel, mais c'est réel, je suis désolé. Et puis de toute façon je suis obligé de labourer ou de préparer le sol pour semer les betteraves et le maïs, vu que le semoir ne sème pas directement. Il y a même un peu de blé qui a poussé ici, j'aimerais bien savoir comment il a fait celui-là, c'est pas grave. Donc il y a aussi un autre objectif avec l'argent, j'aimerais bien, si on arrive, s'acheter notre tonneau à lisier pour pouvoir bénéficier du lisier de l'usine biogaz. Si déjà on en a, ça serait cool pour en bénéficier. Comme ça, on pourrait épandre et retourner en même temps. Donc ça ferait du 2 en 1 et en même temps, on aurait plus de rendement, les amis. Donc on verra déjà, est-ce que ça va tout prendre là? Ouais, ça devrait tout prendre, sans problème, voilà. Donc c'est quand même... Donc moi, je vous dis, je suis beaucoup plus fanatique de la culture de betterave que de la culture de patate. Hein. En plus, là, j'étais dégoûté quand j'avais avancé le temps pour accélérer les cultures. Eh ben, il y avait une forte demande pour vendre de patates, mais j'avais plus rien, donc c'est pas grave. Hein. Et je suis bientôt dans le solde négatif, il me reste 16 euros, les amis, c'est carrément pas cool tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, je vais couper comme ça pour essayer de casser cette. Voilà. Casser un petit peu ce bordel là. Voilà. Et on repart.
Donc vous voyez, les feuillages, ça va vite. Après la récolte, ça ira un petit peu moins vite, mais bon, c'est pas grave, hein, on a le temps, on fait une vidéo, c'est là pour ça. La récolte de tout durera peut-être, je pense, 2 épisodes, hein, sans aucun souci. Comme ça, on aura bien bien le temps de tout faire. Donc je vais d'ailleurs en profiter vite fait pour aller voir. Ah bah celle-là, elle est pleine, les amis. Donc on va vite fait prendre. Comment ça se fait qu'elle est à 19 tonnes? Ah, je sais ce que j'ai compris. En fait, je l'ai foutu là et quand elle est revenue, elle s'est arrêtée et elle a béné toute seule dedans. Parce que je me disais, putain, elle est quand même allée loin. Eh ben, c'est qu'elle a béné toute seule dedans. Donc, on va vider ce qu'on peut de la machine et on va vite fait aller vendre notre colza. Comme ça, on sera en solde positif de nouveau. Parce que là, avec ce qu'elle va vider, elle n'ira pas bien loin. Elle va peut-être même pas faire un aller-retour. Allez, on est parti, les amis. On va décharger notre récolte. Donc après j'achèterai des bavioles, j'achèterai le Karcher, enfin des bavioles pour rendre le jeu un petit peu plus réel. Et puis parce que de toute façon j'aime bien même en vrai avoir toujours des voitures propres, au boulot des tracteurs propres. Je trouve que ça reflète un petit peu l'image du propriétaire. Quand on voit qu'il a un tracteur propre, et eh ben on se dit tout de suite que c'est quelqu'un qui soigne et qui entretient son matériel. Quand on le laisse pourrir, traîner de poussière, de boue et de merde, je trouve que ça fait vraiment négligé et j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand c'est propre. Et puis comme on dit, c'était au boulot avant, mon patron il me disait souvent, comment il me disait d'ailleurs, matériel lavé est à moitié réparé. Ce qui est vrai, hein, parce que quand on lave du matériel, on peut voir si en lavant, on voit s'il y a des problèmes, si on repère un boulon desserré ou autre. Ça nous évite la casse. Donc voilà, le compte en banque remonte bien. Donc c'est vraiment bien. Ça fait plaisir. Bon, on va arriver à 30 000 euros sans problème. Il est à combien le colza là? À 2273 quand même. Putain, je me souvenais plus. Bon, voilà, une benne. Pas tout à fait 50 000 euros. Ça vaut le coup le colza, mine de rien, les amis, hein. Ça vaut vraiment vraiment le coup, je me dis. Alors là, ah c'est bon, j'ai cru que j'étais resté planté. Donc le 7215, le 7200 après la récolteuse de betterave, hein, les amis. Donc je sais, je coupe un petit peu, mais bon, c'est pour éviter de perdre trop trop de temps, les amis, avec les chemins, machin. C'est pour que vous voyez un peu plus de contenu intéressant. Donc, qu'est-ce que je disais? Elle est pleine. Hein. Donc, je crois que là-dessus, on va quand même faire 4 bennes, j'ai l'impression. Parce que la parcelle n'est pas finie. Et il y a déjà du colza qui coule à flot. Donc, allez, vide mon coco. Et puis, si jamais j'ai pas assez pour acheter le tonneau à lisier, on achètera un petit épandeur à engrais en attendant. Hein. Et puis, c'est tout. On ne va pas se casser la tête, les amis. On va faire ça comme il faut. Et puis, on va y arriver, hein. Et puis, par la suite, on achètera des parcelles, etc. Enfin, des animaux. Hein. On commencera, je pense, d'ici que j'ai un petit peu d'ensilage de rab et un petit peu de... Un petit peu de... Tout de rab. Bah, pourquoi t'as pas vidé? Ah, en fait, non, elle a pas bougé, en fait. Elle est restée où elle était. Voilà. Allez, on est reparti. On désactive... non, on désactive pas. On continue, les amis. Il faut que je vende ces deux masses à la con, là. J'oublie à chaque fois de le faire. Voilà. Donc là, vous voyez typiquement la charrue, hein. Si vous faites pas les contours, eh ben, vous avez ça, hein. Des endroits où vous n'avez pas de semis, hein. Ce qui est vrai, en plus. Voilà. On effeuille tout ça et on attaque notre récolte avec notre récolteuse, hein. Par contre, je viens juste de me rendre compte d'un truc, les amis. C'est bien beau que j'attaque ma récolte, mais je décharge dans quoi? Ah putain, j'ai pas pensé à ça. Dans quoi je décharge mes betteraves? Il va peut-être quand même falloir que j'achète une deuxième benne. Quand j'ai effeuillé, j'irai chercher une benne avec celui-là. Parce que ouais, c'est vrai, c'est bien beau de vouloir récolter. Je le fous dans quoi ma récolte? Bon, on va racheter une benne, les amis. On a de l'argent, on achètera une benne et puis
On ira la chercher avec le 6R, là, celui-là là. Et puis on va s'occuper de faire ça. Parce que bon, là, mine de rien, ça paraît beaucoup, mais ça sera vite terminé. Hein. Avec les feuilleuses, ça va quand même vachement vite. Ouais, des fois, quand on tourne, elle n'arrache pas tout de suite. Voilà, on arrive en bout. Donc là, des fois, j'aime bien faire le tour et tout ça, prendre un peu plus de distance pour bien venir sur le tas et bien tout avoir. Voilà. Et puis ensuite, on va chercher notre benne parce que j'ai carrément pas pensé à ça en fait, les amis. Je sais pas ce que j'ai foutu de nouveau. Oula, il braque un peu fort celui-là. Voilà. On braque et on fait un aller-retour de nouveau. Et on sera tranquille, les amis. Avec ce petit carré à la con, il sera fini. Donc j'ai pas trop de commentaires, j'ai des vues, j'ai pas trop de commentaires, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, parce que c'est vrai que maintenant j'ai une meilleure qualité avec, hein, grâce à ce logiciel de montage à la con. Mais c'est vrai que quand on... Bon, je m'y connais en ordi, mais quand on n'a jamais bossé avec un logiciel, ben c'est vrai que des fois, on ne sait pas tout, les amis. Donc c'est pour ça que j'ai eu des... Mais qu'est-ce qui m'a foutu, vous avez vu, hein? Là, elle n'a pas voulu récolter. Eh, hey, mais te fous pas de ma gueule, toi, là. Hein? Je te garantis que tu vas récolter, ma vieille. Hein? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi elle veut... Ah, mais elle est un peu haute, je trouve. Hein? C'est peut-être parce que la tâche sur le tracteur est haute. Bon. Je sais ce qu'il faut faire dans ces conditions-là, les amis. Il faut couper dans l'autre sens parce que j'ai l'impression que les feuilleuses est attachée vachement haut au tracteur. Alors, j'ai l'impression qu'elle n'effeuille pas comme il faudrait. Donc, on va faire ça comme ça. On va faire en haut. Là, elle effeuille bien sans problème. Il faudra que je la mette à un autre... Vous voyez, hein, il faudrait que je la mette à un autre tracteur, je pense. On verra déjà. Donc, on va une fois... essayer d'aller plus doucement, peut-être que ça ira. Ouais, bon. Et je veux pas non plus trop de pertes, hein. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde. Bon, là, ça m'a l'air d'aller. Là, ça m'a l'air bon. On peut aller plus vite. Ouais, je sais pas, c'est peut-être pas le tracteur qu'il faut pour. Hein. Ben, c'est vrai que certains tracteurs, on peut régler la hauteur de la tâche, mais pas celui-là. Donc c'est peut-être ça qui me fait chier, en fait. Ben bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Et puis s'il en reste un peu, hein, c'est pas grave. On va pas se faire chier, on va couper comme ça. Voilà. Ah bah j'ai juste bien visé pour la longueur, c'est pas mal. Donc on est parti pour notre récolte. Je reste droit, hein, j'essaie de rester droit pour pas avoir trop de décalage. Voilà. Ouais, s'il suffit que ça monte un peu ou que ça descend, je pense que les feuilleuses se lèvent et c'est pour ça qu'elles ne récoltent pas. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même récolter de toute façon, hein. Voilà, encore une montée et on est tranquille sur les grandes longueurs et on peut attaquer le reste. Ça va nous prendre deux petites minutes, je pense, et c'est fini. Là, ça va bien. Et après, il faudra chercher une benne, hein, parce que là, j'ai vraiment déconné. Hein. Bon, tu me récoltes tout, hein. Presque tout. Allez, maintenant on n'a que des petits allers à faire, ça devrait aller assez vite. En fait, pourquoi je préfère les betteraves, c'est parce que déjà vous effeuillez sur 5 rangs ou 6 rangs, et puis vous récoltez sur la même largeur, donc c'est vrai que c'est mieux, quoi. Ça va quand même plus vite, je trouve.
que là, faire des patates rien que sur cette parcelle, ça m'aurait carrément fait chier, je vous le dis honnêtement. Ça m'aurait saoulé d'avance, en fait. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire de tout. Voilà. Donc on va essayer de récolter que comme ça, parce que là, j'ai l'impression que quand on le fait dans ce sens-là, on n'a pas trop de problèmes. J'ai parlé trop vite. Donc je sais que le prochain tracteur, la prochaine fois, ça sera celui-là qui récoltera. Hein. Parce que là, apparemment, il a décidé qu'il voudrait pas récolter. Ouais, bon. On va essayer de le prendre de travers après. Peut-être que ça ira. Une fois là, il veut rien savoir. Bon, il m'en récolte, mais bon, il me fait chier, hein. Vraiment chier là, putain, je pourrais pas, au lieu de m'emmerder tout récolter et puis juste pas m'emmerder, sans déconner quoi. Regarde moi ça, mais putain, mais même si je vais tout doucement quoi, en fait c'est vraiment comme il a envie quoi. C'est genre non, j'ai pas envie, bah je récolte pas quoi. C'est ouais, c'est ton gagne-pain, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie d'effeuiller, j'effeuille pas. Regardez-moi ça. Bon, là, elle me l'a pris, c'est déjà bien. Mais bon, ça serait bien que tu me prennes un peu autre chose, là. Que tu me prennes les grands carrés, là, parce que mine de rien... Ah. Elle me les prend. Mais putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Je vous assure, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une récolte, des fois. Là tu devrais sans problème parce que ça descend, donc théoriquement. Ah, elle ne veut rien savoir. Bon. Et là, il veut savoir quelque chose. Ouais. Bon, c'est pas grave. Celui-là, on l'arrête. On va vite fait faire. Voilà. Un petit contrôle. Parce que de toute façon, cet épisode-là, j'arriverai pas à aller jusque-là. Donc, ce que je ferai, je décrocherai vite un tracteur et puis je l'accrocherai à l'autre juste pour essayer, pour voir, et puis voilà. Allez, il décharge. Et ensuite, on va lancer la récolte de betteraves et on verra ce qu'on arrive à faire avec une trémie et puis on cherchera une benne. J'ai la benne pour l'ensilage, mais j'ai pas envie de la décrocher, celle-là je la laisse là-bas. Et puis basta. Écoute, si déjà tu vas décharger quand même pour me remplir la benne. Hein. Voilà. On va le mettre de côté celui-là. Alors, démarrons celui-là là. Hop là, on la déplie. On la met en route. Elle est décalée aussi. Elle est aussi déportée celle-là, je crois, un petit peu. Ouais. C'est parti, les amis. Ah ouais, non, mais c'est quand même autre chose de récolter des betteraves. Hein. Je vous dis, c'est 10 fois moins chiant que de récolter les patates. Hein. Ah ouais, non, mais c'est carrément le jour et la nuit. On voit vraiment bien où on est passé. Allez, on va braquer.
Voilà. On va bien se coller contre. Et puis, ça récolte. Je pourrais récolter un peu plus large. Voilà. Comme ça, on est bon. Ouais. Là, on va braquer. Là, on est aussi pas mal. Donc, ouais, vous voyez comment se passe la récolte de betteraves. On va virer ça. C'est sympa, moi j'aime bien. Je trouve ça, comme dit, moins chiant qu'autre chose. Alors, autant qu'on en profite. Je ne peux pas m'emmerder à faire demi-tour, hein. C'est pas grave. C'est juste pour pas revenir à vide. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment le... quand ça rentre dans le... dans la machine, on voit vraiment un peu la terre et tout. Et après, on voit vraiment que ça remonte propre, trié. C'est pas mal fait. J'ai jamais vu en vrai de récolteuse à betteraves comme ça. J'ai toujours vu les grosses roupas, les grosses arracheuses. J'ai jamais vu de machine comme ça. Machine à patates, j'en vois pas mal. Mais c'est vrai que les machines à betteraves, j'en vois pas souvent. Enfin, j'en ai jamais vu, du moins, une comme ça. Ça m'aurait plu de voir en direct ce que ça pouvait donner. Voilà. Ça décale encore un peu. Peut-être même aller plus vite. Non. Celui-là, là, on va à 11 à l'heure, pas plus. Donc, on est à 50%. En un tour de champ, donc je pense que ça va quand même nous donner quelque chose, ces betteraves. Hein. Voilà. Moi, je fais toujours deux fois le tour comme ça en général. Hein. C'est juste pour quand on veut faire des demi-tours, pas trop aller sur la route. Hein. Voilà. Je peux même faire comme ça, donc c'est pas mal. Et puis de toute façon, tout devra être récolté, les amis. Donc qu'on commence comme ça ou qu'on fasse comme ci et comme ça, il faut qu'on ramasse tout. Hein. Putain, des feuilleuses là qui a pas voulu effeuiller. Ça commence à se remplir la trémie. C'est bon signe, les amis. Et encore, j'ai pas traité la parcelle. J'aurais bien aimé voir si j'avais eu de l'engrais là-dessus, ce que ça aurait donné. Ça aurait été pas mal du tout, je crois. Donc maintenant, on va taper là-dedans. Voilà. Comme ça. On va suivre cette ligne de betterave là. Ça va y aller et ensuite on va remonter parce que la madame va être pleine. Je sais même pas si j'arriverai jusqu'au bout. Si, peut-être qu'on devrait y arriver. Puis si on n'y arrive pas, on s'arrête là et on viendra avec le tracteur et la benne ici. Enfin, 100%, vous avez vu les amis, j'ai presque été au bout. Presque, mais pas tout à fait. Donc voilà. Alors, ensuite, toi, t'es bien sûr, t'es pleine. Toi, bien évidemment, t'es plein. Pour pas changer. Allez, on va vite aller le vider, celui-là. Comme ça, je peux chercher... Enfin, aller vider celui-là et chercher une autre benne que je vais devoir acheter, les amis. J'ai pas le choix. Donc ouais, hein, il y aura plusieurs nouveaux épisodes sur la récolte. Hein. Et le prochain grand événement, j'ai envie de dire, je vais couper, ça sera sur la récolte de... sur le foin, je pense. On va faire de l'herbe, on va faucher de l'herbe. Je pourrais vider avec celle-là, mais après, ce serait la lection qui ne bosserait pas. Oh bon, écoutez, j'ai pas envie de perdre de temps, vu qu'on est bientôt à la fin de vidéo. Je chercherai une benne plus tard. Je vais aller avec celle-là là en dessous. Et puis on va récolter, on va décharger là-dedans en attendant. Et on va avancer un petit peu sur nos betteraves, les amis.
Voilà. L'argent coule à flot, comme on dit. Ça fait plaisir. Si seulement en vrai on était payé comme ça. Oh putain, je serais heureux. Tout le monde serait agriculteur. Si en livrant une benne, on serait payé 50 000 euros. Putain, tout le monde serait paysan, je crois. Allez. Alors, je pense que c'est X. Non, c'était pas X. Quel con, c'est O plutôt. Ah oh, d'accord, ça se fait juste comme ça en fait. Merde, il était allumé. On va décharger nos 6 tonnes. Donc 6 tonnes dans la machine. C'est pas mal. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas mal. C'est parti, on replie ça. Ah merde, j'ai dit en marche arrière. Et on repart. Allez, on repart comme ça. C'est vrai que 6 tonnes pour mettre dans la machine, c'est comme les patates, je crois, c'est pas mal. Voilà. Donc là, c'est parce que j'ai voulu rouler trop vite que ça n'avait pas appris. Donc nous sommes à 25 minutes de vidéo, peut-être un peu plus parce que comme d'hab, j'ai oublié mon chrono. Donc je m'arrêterai quand j'aurai 30 minutes au compteur. Donc ça fera un peu plus pour vous les amis, mais c'est pas grave. Moi ça me dérange pas. Donc après pour être droit, j'essaye toujours de suivre avec le tracteur une ligne. Pour essayer de rester droit au maximum. Parce que moi, après cette vidéo, je vais devoir me préparer pour aller au boulot. Aujourd'hui je suis d'après-midi, alors il faut que je sois d'attaque. Donc voilà, j'en ai profité pour filmer. Notre carrière suivie. Voilà, on est en bout. Donc vous devez vous dire que j'ai une technique un peu bizarre, mais en fait non, c'est juste que j'essaye de réduire ces coins à la con là pour éviter de faire trop de demi-tours machin et tout ça. J'essaye de faire comme ça en fait. Bon, j'aurais pu faire autrement, hein, mais bon, hop. Attendez, excusez-moi les amis, faut que je me bouche. Ah c'est bon, j'ai retiré le micro, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Allez, on est reparti. Putain, on est déjà à 55% de nouveau, j'ai l'impression que j'ai presque rien fait et ça se remplit. Donc c'est bien, c'est bien. Faut que ça continue comme ça. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre tout de suite ce petit bout là. Comme ça, c'est fait. Et puis après, on remontera hein, comme on fait d'habitude. Donc bon, vous voyez ici dans silage, ça devrait aller plus vite quand même que les autres parcelles. Parce que premièrement, elles sont pas traitées, c'est plus petit. Hein. Voilà, on est parti. Donc la betterave, hein, on fera de la culture parce que vous verrez plus tard. À la rigueur, j'ai pensé, je vais peut-être faire une petite vidéo de présentation de la carte Belgique profonde. Hein, parce que ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais faudrait que je le fasse. La présenter, donc ça serait une présentation de mode, vous dire ce qu'on peut faire, machin, comment ça fonctionne, donc ce serait une vidéo découverte également je pense d'une petite trentaine de minutes hein, pour vraiment bien que les pour que les gens qui veulent y jouer dessus, qui la connaissent pas, ils puissent jouer dessus sans aucun problème. Parce que mon but c'est d'aider comme je le dis toujours. Donc je vais vider tout de suite parce que sinon je vais être emmerdé par la suite. Allez c'est parti, on recule. Ouais, donc je vais pas faire des vidéos spécifiques du genre vous dire voilà pour nourrir faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Merde, avance.
Je vais plutôt faire ça sur ma carrière suivie, mais la vidéo découverte, je vais la faire en prenant un tracteur au pif et en me déplaçant et en vous expliquant un petit peu, machin, etc. Parce que je la connais bien, mais il y a un endroit que je connais pas qu'il faudrait que j'aille voir. Donc voilà, allez, on est reparti. Voilà, remorque se remplit, mine de rien, c'est pas mal. Donc il nous reste 2 minutes ensemble, les amis. Donc moi je vais avancer un petit peu perso et puis on se retrouvera un petit peu plus tard, hein, y a pas de souci, dans le prochain épisode. Voilà. Donc on va aller jusqu'au bout je pense et ça sera terminé pour aujourd'hui les amis. Et pensez au petit pouce vert hein, si vous avez aimé cette vidéo, enfin mes vidéos d'ailleurs. Y a pas de souci, ça me ferait plaisir. On va se faire un petit retour encore. Donc ces tracteurs sont juste géniaux. Bah mine de rien, comparativement aux patates, on avance quand même plus vite. Hein. Ça fait le temps d'effeuiller la parcelle, ça fait combien de temps que je ramasse? Ça fait peut-être 10 minutes. Bah vous voyez quand 10 minutes, mine de rien, on a déjà fait le tour de la parcelle, on a déjà récolté pas mal. Moi je vous dis franchement ça va quand même nettement plus vite de faire ça. Hein. Mais bon après le but c'est pas la vitesse non plus, c'est de faire les cultures dont on a besoin. La patate comme je disais j'en ferai plus tard parce que c'est une culture que j'aurais pas besoin pour cette carte. Mais j'en ferai pour en faire. Et puis si d'ici là on est millionnaire les amis, j'achèterai l'arracheuse à patate comme ça je me ferai pas chier moi. Elle récoltera et basta. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh putain, récolte-moi bien. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les amis. Allez, salut tout le monde!